Salut tout le monde, c'est Brice, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ROM hack Pokémon et aujourd'hui on est là pour découvrir la version platine qui est sortie sur GBA, enfin l'origine est sortie sur DS mais là nous sommes sur la version platine qui a été modélisée sur GBA et qui est basée sur la version rouge fleur feuille tout simplement et du coup bah, le nom de la ROM c'est Pokémon Sinnoh Legacy tout simplement, voilà. Et on va se lancer dorénavant dans l'aventure. Et du coup, bah, c'est une ROM anglaise. Hein. Bienvenue dans un nouveau monde. Donc, du coup, on sera le héros de cette aventure. Bon allez, on s'en fout de ça. Oh, il a même modélisé et tout fait, comme dans la version de base. Ouais, hello, je suis le professeur Pokémon. Donc lui c'est professeur Sanglier. Oh un petit... bon les petites hachures c'est pas mon ressenti, c'est pas de ma faute. C'est lié bah, au son du jeu qui était mal codé je pense, tout dans le genre. Donc voilà, donc ça vient pas de moi. Ça s'agrésille. Hop. Allez parle-moi un peu de toi. Ah je suis obligé de choisir le garçon. D'accord. Un peu sexiste pour les filles qui veulent jouer au jeu. Après je sais pas si le jeu est fini hein, mais je pense que oui. Voilà. De toute façon là on va tester un petit peu le début, on va aller jusqu'au premier, jusqu'à féliciter ou des trucs comme ça. On va essayer de allez Barry comme on l'appelle toujours. Yep. Allez hop. Hey, t'as regardé la télé, il y avait un reportage sur le professeur. Bon, ça, on s'en fout. Mais d'où il touche à mon PC, lui? Bah, ça fait comme dans la version boss, on n'a pas le droit à une potion de PC. Hey, Brice TV! Brice, il vient de passer. Je sais pas ce qu'il avait, mais c'était pas... Ouais. Bon, j'ai de beaucoup utiliser l'accéléré. Pour ce qui plaît dialogue, parce qu'on les connaît. Franchement pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de jouer ou qui n'ont pas de DS ni rien ni un bon PC, bah, vous pouvez jouer cette version là de platine. Ça peut être cool en fait. Ouais, évidemment il va vouloir qu'on lui file de l'argent. Ouais, bah, il l'a vu partir mais il est revenu très vite à la maison. En tout cas j'aime beaucoup les maisons, le style de chambre et tout. J'ai bien lu 10 millions de Pokédollars. J'ai 1 million, c'est énorme. 10 millions, mais j'ai complètement fou. Eh, je suis pas milliardaire. Si seulement. Fais gaffe de pas marcher dans le désert. Là. Ah j'ai oublié d'augmenter le test de texte. On skip ce dialogue. C'est comme de... Mais bien sûr que j'aime les Pokémon. J'aime mon starter. Et je vois l'occasion aussi d'augmenter les vitesses de dialogue. Comme ça je skip. Fast. Il n'y a aucune différence entre le mono et le... Bizarre. On va rester sur là-dessus. Ouais. Ah, c'est juste après. D'accord. Donc là. Bah va prendre petit pouf tiens. Et quand j'ai testé le jeu, j'avais pris Mysticraft je crois. Là j'avais envie de prendre petit pouf. Et par contre la tête de Barry. Il manque les cheveux sur les côtés là. Il a fait une coupe
Ouais, c'est une coupe chelou. Non, j'ai pas envie. Je dis que j'ai pas envie de me battre, mais il veut quand même se battre. Comme à cette étude. Ok. Autant on s'en fout, tutoriel. Allez hop. Oh, j'ai perdu mon premier combat. Attends, j'ai pas de potion. Ah d'accord. Tu peux me parler avant. Peut-être que c'était scripté comme ça. Hop. Ah on a les chaussures de sport. Pourquoi ouais, ils courent bizarrement comme ça. Comme ça ça va. Comme ça ça fait bizarre. Mais en tout cas, si vous avez des ROM hack Pokémon, pas que Pokémon, hein, d'autres jeux créés par des fans, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. Je suis preneur. Hein. Hormis Nozome Eleven, bien sûr, parce que j'ai toujours pas testé la licence. Mais sur les licences que je connais un peu, comme Pokémon, des trucs comme ça, n'hésitez pas. Pas de soucis. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait une découverte de ROM Hack Pokémon, ça doit faire un petit moment déjà. C'est un petit moment. Il y a quoi comme Pokémon ici? Oh, on est tombé. On va essayer d'explorer un petit peu. On va essayer de passer au niveau 6. Hop, niveau 6. Ça, on est tranquille, on va la revoir notre Momo. Hop. Là, je vous remercie parce que les vidéos gameplay sur les ROM Pokémon vous plaît tellement. Là, déjà, j'ai Thunder Yellow qui a 1200 vues. J'ai Emerald Kaizo qui a 900, je crois, tout le monde là. Je sais plus. Bon, après, il y a les autres qui sont pas à la fin, mais bon. Ceux qui vous ont le plus marqué, bah, c'est Emerald Kaizo et Thunder Yellow. D'ailleurs Thunder Yellow je vais toujours le faire en Nuzlocke. Bon celle-là je pense pas que vous le verrez en let's play ou des trucs comme ça sur la chaîne. Hormis peut-être sur la chaîne secondaire. Voilà. Mais sinon vous ne verrez pas d'aventure sur la chaîne principale. Et déjà de 1 j'aime beaucoup trop de jeux. Mais au moins, ouais, sur la chaîne secondaire, ça peut être sympa de faire ça de temps en temps. Des ROM hacks qui pourraient m'intéresser à faire en aventure comme ça. Déjà, sur la chaîne principale, on l'était sur une vidéo, voir ce que ça donne. Puis après, si jamais ça m'intéresse, je vais les faire sur la chaîne secondaire. Je pense qu'il y en a certains, ça peut être sympa. Et il y en a certains d'entre vous qui pourraient adorer. Un certain Emerald Kaizo, j'ai bien envie de faire. Ouais. Il y a la version ultime de Pokémon, de Pokémon Emerald. Faut que j'ai déjà fait Expert Emerald. J'ai tenté Emerald Plus, mais j'ai abandonné. En Shiny Lock. C'est bien, je lui ai dit non, mais il me l'a donné quand même. Curieux. De toute façon, je speak. Vous connaissez. Allez c'est parti, on va aller voir notre Momo. Hop, j'ai oublié de me soigner, mais c'est pas grave, notre Momo va nous soigner normalement. Là j'ai mis 10 minutes on a mis très peu de temps, alors que dans une vidéo normale... Ah, ça aurait été plus long, ça aurait mis une demi-heure. Ouais.
D'ailleurs, vous avez remarqué pour ce gameplay, j'ai pas fait de layout. Point vif là. J'avais envie de revenir un peu à l'ancienne. Voilà, tout simplement. À l'ancienne. Juste le gameplay et rien d'autre. Juste pour celui-là. Dites-moi si ça vous dérange. Donc voilà, donc pas forcément de layout, juste le jeu qui passe toi. Oh, il est ignorant. Et Nidoran, incroyable. Salut. Oh la vache. Oh les pauvres OST. Ils sont pas respectés. Ils se font pas maltraiter. Il est pas respecté. Oh Caninos. Évidemment on va le capturer. Oh, ce serait trop bien, Caninos. Allez, hop. Je sais pas pourquoi j'étais me soigner, mais c'est pas grave. Il y a quoi d'autre? Que des étourmis. Les étourmis niveau 2. Ah, les fenêtres. Étourmis. Moi, je veux... Ah, Lixi. Oh, Lixi avec... J'ai l'impression que je suis pas le bonheur. Comment ça? Non, j'ai pas l'impression que j'ai vu de Caninos. Pourquoi il y a Venusaur là-dedans? On va pas comprendre. Oh, Zigzaton. Par contre, c'est des Pokémon vachement rares. Les Pokémon les plus importants, c'est les Pokémon de Fino. Et les autres, j'ai pas le droit au bonheur. Je me dis pas qu'elle est le seul Pokémon rare de la zone. Non. Bon bah, j'ai pas le droit. J'ai plus rien, j'ai pas le droit de mourir. Et voilà. Et là. Est-ce que j'ai le rebonheur? J'ai pas le potion. Tour sur deux, il se protège lui. Moi, ça y est quoi? Ah, ils sont là les boules. Je veux dire, mais ils sont où les boules? J'ai un petit compagnon en plus. Hey, est-ce que t'as capturé des Pokémon? Ouais, je vais capturer un jeu de tout. Crotoid. Quand ça grésille, c'est horrible. C'est horrible pour les oreilles. Je me pose la question, est-ce qu'il y a... Est-ce qu'on va voir la Pokémon qui va s'afficher? Bon, tu peux arrêter de poser. Merci. Je vais me soigner parce qu'on a besoin de soins. Hop. Hey Iris. Oui, t'es en train de mémoriser tout ce qui... Ouais, la brûlure, la paralysie, tout ça. On connaît.
qu'on va se... Toad map. Yeah. Oh yeah. Ta-ta. Une X attaque, ok. No. Niveau 10. Yeah. Voilà. Si, il y a bien le mec de... Oh oh. Mais tu es un dresseur de Pokémon, hein. Mais tu as pas de Pokémon, hein. Montre et oui, c'est la montre à Pokémon, bien sûr. J'irige une campagne. Ah, faut que je trouve les bouffons du coup. Y en a un là. Oui, ding ding, you're correct. First visit to the school. Non, c'est pas là-dedans que je veux rentrer. On dirait le bâtiment de la... du centre commercial de Saladopol. Il y a vraiment un bruitage quand on s'est trompé, fait... Alors qu'il n'y a pas de bruitage pour ça. Ouais. Attends. Ah, c'est vrai, là, il a pas pu mettre le bâtiment, là, pour... Oh, bah, d'ailleurs, il est là. De toute façon, il faut répondre toujours, oui, à leur quiz. Et hop, normalement, si je ne dis pas de bêtises... Comment ça, ça me dit que j'ai pas de truc. Faut juste que je les vois. Hmm. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Viva la... Non. Je vais pas la faire celle-là. Tout ça pour une poche de B. Tout ça pour une poche de B. Moi qui m'attendais à avoir une Pokémontre, c'est nul. Il me dit qu'il allait m'offrir une Pokémontre, mais pas du tout. Non, oh, il a pas mis le... Dommage. Vous savez quoi? Avant de se laisser, on va aller pêcher un Magikarp. Oui, parce que j'ai envie de pêcher un Magikarp pour le troll. Au final l'épisode. Bon, en espérant... Bon, j'avais bonne détection. En espérant qu'il a mis des Pokémon là-dedans. Des fois, ça peut arriver qu'ils oublient de mettre les Pokémon sur les routes. Je crois que c'est arrivé sur Experiment Road. J'avais une route où j'avais zéro Pokémon. On va aller voir à... comment s'appelle la première ville là. Je m'en rappelle plus. Littorella. Voilà, ça me revient. Quoi? C'est mal codé, ça, monsieur. Sans deck. Et non.
Mais non. Il a pas codé le fait qu'on peut pêcher au bord de la mer. De l'océan. De l'océan. Pardon. J'ai littéralement essayé de chanter la chanson de la petite sirène. Tout va bien. Tout va bien. Ah bah voilà mon petit Magikarp. Pardon. Et voilà. Je l'ai eu mon petit jeune Magikarp. Il est bon en défense. Et en vitesse. Attends, j'ai essayé de capturer un Pokémon, pourquoi il y a le sprint de la Safari Ball? Bon bah du coup les amis, on va s'arrêter là pour ce gameplay de Pokémon Sinnoh Legacy. J'espère que ça vous aura plu. Bah, c'est platine sur le GBA, du coup, pour ceux qui veulent être un peu plus sûr. Donc c'est Pokémon Platine sur GBA, donc c'est Sinnoh Legacy pour ceux qui veulent savoir, pour chercher la ROM. C'est Sinnoh Legacy sur Google, vous cherchez, puis voilà, vous la trouvez. Allez sur ce, moi je vous dis merci à tous d'avoir suivi ce gameplay. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à me dire ce que vous en avez pensé, et si vous a intéressé, plu, etc. Et dites-moi aussi si vous avez d'autres ROM hacks à me conseiller. Donc, que ce soit des ROM hack DS, 3DS... 3DS c'est un petit peu plus compliqué. Mais des ROM hack DS, GBA, ou même Game Boy. Voilà. Dites-moi. Allez, sur ce, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, bonjour. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Yeah.